Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call, and I'll be home. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire de l'époxy. Je voulais faire des petites réparations que j'ai sur la coque et aussi sur le safran. Un matin, je me suis levé, il fait 13 degrés. Là, il doit faire alentour de 15 degrés. Fait qu'il fait un peu trop froid dehors pour commencer à faire de l'époxy. Mon durcisseur, c'est un durcisseur lent qui est environ coté pour 45 minutes à 1 heure de travail avant qu'il vienne de collant pour rajouter une autre couche à 27 degrés. À cette température-là, ça va être beaucoup trop long faire les réparations. Mais j'ai reçu aussi ma hose pour ma tank d'eau usée noire. Fait que je vais pouvoir faire ça matin, puis après-midi, je ferai l'époxy. Là, présentement, ce que je vais vous faire, je vais comparer les deux hoses. Moi, j'ai acheté de la Raritain Saniflex, qui était recommandée pour une hose qui était très flexible, puis un hose aussi qui ne va pas perméabiliser facilement, c'est-à-dire qu'il va prendre des années avant qu'elle sente. Puis l'autre hose qui est très recommandée, c'est la Trident 101 et 102. La 102, la différence qu'elle est blanche, la 101 est noire. Puis il y en a un bout ici à la Merino de la Trident. Fait que moi, si j'ai la Raritain, je vais pouvoir comparer les deux, voir c'est quoi la texture, la grosseur, le diamètre, la flexibilité entre les deux. Fait que je vais pouvoir vous montrer ça. Voici la Trident 102. Fait que c'est la 102, elle est blanche, puis la 101 est noire. Qu'est-ce que je veux voir aussi, c'est la texture extérieure. Elle a la même texture que la Raritain Saniflex. Ça, c'est EDPM, cette hose-là est faite avec ça. Puis le Raritain, elle, c'est du butyl. Mais l'extérieur, c'est la même genre de texture tissu. Fait que c'est un peu plus dur à garder propre à l'extérieur. Moi, ce qui est important aussi, c'était la flexibilité. Puis le diamètre extérieur de la hose. Le diamètre extérieur sur la Trident est un petit peu plus gros, grand, que la Raritain. Puis la flexibilité. J'ai été surpris parce que la flexibilité, c'est quand même similaire. Il a quand même, avant qu'elle commence à kinker, c'est quand même similaire. La différence, c'est la force nécessaire pour la tourner. Fait que quand il va les passer dans les endroits restreints, bien, elle serait un peu plus dure à installer. Puis vu que son diamètre est aussi extérieur, bien, si tu as des places serrées, c'est plus dur à passer. Puis j'ai vérifié le prix tantôt. Advent chez Defender, 8$ le pied, tandis que le Raritain Saniflex est 9,95$ le pied. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre la Raritain que moi j'ai acheté. Ça, c'est la Saniflex, made in Italy. Elle a le même fini extérieur que la Trident. Ça, on en dit que la hose est pas facile à laver si on salit l'extérieur. C'est pour ça, ça, j'en ai coupé un bout. C'est pour ça que quand il est livré, ils mettent un plastique dessus pour pas la salir. Puis je pense que je recommande aussi de laisser là le plastique aussi longtemps que vous pouvez, ou même quand vous faites l'installation, ça va permettre de pas salir la hose pendant que vous êtes en train d'essayer de la fitter. Le diamètre extérieur est un peu plus petit sur cette hose là. Je veux dire, c'est plus facile à la passer dans les petits endroits restreints. La finition intérieure est aussi lisse que la Trident, qui est très important. Tu veux pas une finition qui va être poreuse, parce que les choses pourraient rester accrochées dedans. La flexibilité, ça je ne vais pas vous le montrer sur ce bout-là, mais en environ, je vais essayer de le faire, là, j'ai une main, là, mais en environ la même, comme on pourrait dire, le bend radius, qui est environ 3 pouces. C'est-à-dire quand je plie, le rond qui fait entre les deux, il y a environ 3 pouces entre les deux. C'est environ le même, je pensais qu'elle aurait été plus flexible ou que vraiment une bonne différence entre les deux, mais il n'y a pas grande différence. La différence, c'est qu'elle est plus facile à faire plier. Quand on travaille avec pour l'installation, ben c'est plus facile. Puis si aussi vous la laissez plier au maximum, puis entre les fittings, ben il y a moins de tension qui va être appliquée sur vos fittings d'eau. Ça ici, c'est une shield, c'est une 148. Ça, c'est une hose qui est bon pour en bas de la ligne d'eau. Ça va être l'entrée d'eau pour la toilette. Mais vous voyez qu'elle a une texture lustrée.
Fait que c'est beaucoup plus facile à entretenir et à nettoyer un os comme ça. J'ai aussi de la 1 pouce, la même chose, la Saniflex Raritain. Ça, ça va être pour le macérateur, dans le fond. Fait que j'ai une autre hose sanitaire pour le macérateur. Oui, quand on parle de flexibilité, voici une fitting, celle qui va aller ici. Puis elle, faut qu'elle se connecte. Sur mon deck fill, celle pour la pump out, sur celle-là ici. Là. Fait que, il faut qu'elle fasse un beau 90 pour aller se connecter direct là. Il va falloir que ce bout-là plie de cette façon-là pour pouvoir les recorder. Je suis en train de test fitter les petits bouts que je vous ai montré tantôt que j'ai coupé. C'est sûr que je ne pouvais pas tenir la caméra puis le plier le boyau puis le rentrer à sa place. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. J'ai pas de collant encore. Je suis juste en train de couper mes longueurs, m'assurer que j'ai les bonnes longueurs. Parce que au prix qu'à vaut la hose, tu ne veux pas faire 3-4 coupeurs puis de gaspiller des bouts. Vous voyez elle, la forme qu'elle fait pour aller connecter ici. Là. Il va me rester elle qui va aller justement à la toilette. Celle-là ici, c'est pour le vent. J'ai mis un vent 1 pouce et demi. Avant, il était 1 pouce. Je l'ai grossi. Ça, c'est le pump-out. Et celle-là en bas ici, ça va aller pour le macérateur. La valve que j'avais là avant, c'est une valve Y. Vu que cette tank-là, elle a une sortie supplémentaire pour le pump-out en haut, fait que j'ai réussi à éliminer cette grosse valve-là, qui peut aussi faire des points plus facilement de coulage, vu que plus de raccords qu'on a, plus de collets, plus qu'on a des chances que ça coule. Avec ça, ça va être une valve directement. Qu'est-ce qui est le fun là-dessus, c'est que elle, avant, il y avait un bout de hose qui connectait entre la tank. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans la tank réside dans le boyau jusqu'à la valve tout le temps. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose qui réside là. Là, en ayant la valve fétique directement à la tank, j'ai plus de boyau qui raccorde. Fait que tout ce qui est dans la tank est arrêté à ce niveau-là. Il n'y a plus rien qui reste dans le boyau. Fait qu'il y a beaucoup moins de chances que le boyau va se détériorer ou qu'il va sentir. Avec ça, vous voyez, ça faisait pas mal plus de collets, pas mal plus de branchements. Master, elle, c'est le macérateur directement. Puis en haut, ben, j'ai un pump-out. Parce qu'avant, elle servait les deux. Elle servait pour le macérateur et pour le pump-out. C'est beaucoup plus simple dans l'installation de cette façon-là. Une autre chose qu'on a fait pour upgrader notre toilette, c'est de changer la pompe. Parce que si on regarde ça, pour avoir un rebuild kit, pour réparer une pompe ou une pompe au complet avec la main, la pompe, on parle avec la manivelle aussi, ça revient pratiquement le même prix. C'est 10-15$ de plus, puis tu as une pompe au complet. Fait que nous, on a acheté ça parce qu'on a acheté qu'il y avait un twist-lock. La pompe twist-lock, qu'est-ce que ça permet? C'est quand vous descendez votre pompe, si vous pouvez la tourner ici, et ça empêche la pompe de lever. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ici, là, ça c'est le petit flap en bas. On va le virer de bord, je vais vous montrer ça. Ça empêche le. Ou plutôt, ça empêche le piston aussi de monter vers le haut. Ça, ça fait de cette façon ici. Ça bouche l'entrée qui vient de la toilette. Fait que avec la pompe est barrée de cette position-là, si le bateau brasse, tout ça, la pompe a la tendance d'un fouet à sortir. C'est que quand le bateau il se brasse à la mer, la pompe, d'un fois, a la tendance à remonter tout seul par la vibration. Ce qu'elle pourrait faire, si le Joker Valve ne scelle pas à 100%, ça ne scelle jamais à 100%, il pourrait aussi remonter un peu de résidu dans la bas de la toilette. Fait que, des fois, on descend en bas et on voit qu'il y a un peu de choses qui remontent à la toilette. Mais c'est une sécurité additionnelle avec un twist lock. Le problème avec ça, c'est que nous, on n'a pas une Jabsco. Je t'assure que c'est incompatible. On a une toilette Johnson. La toilette Johnson, la valve ici, le seal ici pour la valve, n'est pas tout à fait pareil. Vous voyez, vous avez des trous pour les encoches qui vont s'aligner avec la base. Mais la Johnson, elle, le trou il est de ce côté-là et il n'est pas de ce côté-là. Justement pour pas qu'on puisse adapter l'un et l'autre. Fait que ça ne fait pas justement. Fait que la base est un petit peu plus grande sur la Jabsco. Tu peux la visser là, mais elle ne sera jamais flat complètement sur la base de la toilette. Ça, c'est la base de la toilette. Elle ne sera jamais flat dessus de la base. Fait que ça va tout le temps créer. Une chance que je l'ai vu avant, sinon ça nous aurait créé des problèmes dans le futur, puisque j'aurais tout monté ça. Puis là, j'aurais mis à travailler sur la toilette. Puis là, il y aurait probablement une fuite toujours alentour de cette partie ici. Là.
Fait que, c'est pour ça, cette raison-là, que j'ai commandé, je voulais commander une autre valve, une pompe assembly de Johnson. Puis pour la différence de prix, la pompe était à 65$. Puis pour 130$, j'avais une toilette au complet Johnson qui venait avec la pompe. Fait que, la toilette est originale avec le bateau. Du temps qu'à faire, on a décidé de mettre une toilette au complet que je devrais recevoir aujourd'hui. Et je vais pouvoir continuer mon installation parce que j'attends d'avoir la toilette là pour mesurer comme il faut la longueur de mes boyaux nécessaires pour le branchement. Ma toilette est arrivée. Fait que pendant que l'époxy sèche, je vais ouvrir ma boîte et je vais pouvoir aller commencer l'installation. Enlever la vieille et commencer à installer la neuve. Fait que c'est commode de pouvoir alterner le travail comme ça. Aujourd'hui, ben, c'est une super belle journée. Hey, la vieille toilette est déjà enlevée, c'est pas vraiment long. Je suis pas filmé. Juste 4 vis, tu l'enlèves. C'est pas bien technique enlever ça. Mais je vais vous demander, montrer pourquoi que, en fait, j'ai changé la toilette. J'avais juste changé la pompe, c'est la pompe qui nous manquait, mais on avait acheté une pompe Japsco, puis la vieille pompe, on l'avait achetée il y a 2 ans. Ben, je m'en souvenais plus qu'est-ce qu'elle avait de l'air. Elle est pratiquement identique à celle de Japsco, mais il y a une petite différence qui est très importante qui fait l'installation de toilettes là, pour les hausses de sortie là, très difficile. Mais là, ça va être réglé avec cette nouvelle sortie-là. Je vais vous montrer ce qu'est la différence. L'angle d'elle est vraiment droit, puis ici, elle est en angle. Puis le boyau, ça fait que le boyau de sortie, il est plus court, il est plus proche de la pompe. Lui, il est plus long ici. Qu'est-ce que ça fait, c'est que le mur de la salle de bain arrive très proche. Fait que la sortie de la hausse, très difficile. Fait que ça fait tout un. Si j'aurais pu installer ça, ça forçait la pompe de la toilette. Avec ça, ça me donne un espace. Puis même si je la mets là, de cette hauteur-là, elle est beaucoup plus haute. Vu qu'il y a un angle qui est pas mal plus droit. Fait que le problème d'installation, là, je viens de me régler. Festiner la vie, disons. 60% d'installation de l'EOS à part de la tank qui fait je fit, mais au moins je serais pas obligé de fitter elle. Fait que pas une différence. Je suis content de mon achat de ma nouvelle toilette. Avec la Johnson, on n'aura pas l'avantage de la Biaptico avec le Twist Lock. Si jamais là, j'ai du temps et ça me tente de bisouner un peu, là, je suis pas mal sûr que je peux enlever le shaft et le dessus du couvert et la transférer sur la Johnson si le shaft de la pompe a la même longueur. Ça sera un autre projet pour m'en demander. Anyway, j'ai la pompe. Il y a une chose que j'ai découvert aussi, la toilette, l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau, comme je l'ai montré un matin, le boyau qui était lustré, lui ici, un boyau 3/4 d'entrée d'eau, lui, je le changeais parce qu'il y avait une jonction en arrière de la toilette. Fait que, tu sais, je voulais pas mettre un paquet de collets et déjà une jonction. Puis, qu'est-ce que j'ai découvert? Regardez bien. Qu'est-ce qu'ils ont pris là, pour le fitting? Là, elle était pas assez grande. Ben, ils ont mis du duct tape pour la grossir. Ça là, c'est... Je suis content d'avoir vu ça et de l'avoir changé parce que si jamais ça lâchait là, puis le passe-coque est ouvert là, ben tu remplis ton bateau d'eau. Fait que c'est à ne pas faire. Mais tu sais, les surprises qu'on trouve encore là, après quasiment 3 ans là, on en trouve encore. Mais ça là, c'est vraiment à pas faire. Le boyau de toilette est en train de sécher. Je vais aller grinder le safran. Il me reste encore des parties à enlever la couche du dessus pour exposer la fibre de verre pour faire une belle réparation. Puis après ça, la journée, elle va être complétée. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Puis déjà là, c'est pas facile, on n'est pas ensemble. Dur à fêter. Encore là, c'était pas dans le projet non plus de fêter ça seul, chacun de notre côté. Mais pas grave, on va doublement fêter, mais qu'on se revoie.